Voilà. Tourner en S. Voilà. S comme score. Voilà, S comme score. Donc par contre, là, évidemment, la chicane d'échappement fonctionne. Alors qu'en C, la chicane d'échappement est bien sûr rendue silencieuse. Bon, allez, voilà. Alors, ici sur tous les stands, là, et on aborde à gauche, suivi d'un autre gauche à 45 degrés, donc évidemment avec des virages un peu plus serrés que ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc pareil, regardez moins, comme tous les braquages. Ici, une chicane gauche-droite. Donc évidemment, ici, on a mis une roue avant gauche, roue avant droite, un clop, ça arrive à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Zone de freinage, on rentre dans une zone de freinage, un point de braquage à ce plat. Évidemment, on vient d'assister très tôt pour pouvoir être en accord avec. Et là, on va avoir affaire à un très long virage qui se referme. C'est-à-dire que là, on regarde un peu sous ma moustache, parce que je ne l'en fais pas. C'est un très long voyage vers l'extérieur. L'extérieur, on sera beaucoup plus à l'aise, et on sera surtout amené à pouvoir faire une ligne droite, très ligne droite qui n'existe pas, mais qui va permettre de freiner très fort pour l'épingle gauche qui se resserre. Évidemment, donc on a l'œil déjà à la sortie gauche. On arrive sur encore une autre ligne qui est à gauche, droite, gauche. C'est-à-dire que c'est une chicane dans le freinage. Où on arrondit le bloc de manière à pouvoir arrondir un peu plus à droite, ne pas cesser de porter directeur pour être à droite le mieux possible. Évidemment, je regarde la sortie, pas de problème. Et j'ai une petite ligne droite très courte avec un droit et on retrouvera la sortie des stands avec les deux blocs. La chicane gauche droite évidemment. Ensuite, on va tout le temps rejoindre la droite pour un freinage relativement appuyé pour une épingle de gauche. Assez serré, enfin l'épingle de gauche. Moins serré que l'autre, mais quand même. Là on est fatigué, on utilise toute la largeur. Normalement il est absolument pas. On peut se permettre d'utiliser toute la largeur de la piste. On fait tout extérieur. Tout extérieur. Surtout pour pouvoir se mettre en ligne, parce que sinon on va avoir des roues fortement braquées, on va solliciter énormément le train avant, et donc ça ne sera pas. Par contre, l'accélération là fait que on va avoir du mal à attraper la corde, quand on sait bien rattraper quand même, donc pas de soucis. Et une nouvelle fois la chicane, donc la chicane évidemment gauche-droite, on arrondit le gauche et le droite de manière à pouvoir rentrer. Sauf que l'entrée descente se fait par ce petit trou ici. Voilà. Disons qu'elle est très très insistante avant, malgré elle est assez bluffante. Bah, avec les petits oignons, on pourrait optimiser encore, hein, mais bon, on va pas non plus avoir faire un châssis spécifique pour la piste. Qui deviennent complètement inconfortables. Bon, de toute façon, ces compromis-là n'existent pas. Hein. Oui, je ne vais pas dire autre chose. Oui, non, tout à fait. Et sur la route, elle est quand même, on sent que c'est une voiture de sport, mais il y a quand même une certaine souplesse.